Je suis Arnaud Prouzeau, je suis chercheur à l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et je suis chercheur en interaction humain-machine. Donc je me concentre sur l'étude de l'utilisation de nouvelles technologies pour résoudre des tâches complexes. Et plus particulièrement, je regarde beaucoup comment on peut utiliser des nouvelles technologies dites immersives, donc comme des très grands murs d'écran, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, dans deux contextes en particulier. Le premier, c'est les salles de contrôle, donc pour du contrôle de trafic routier, aérien, ferroviaire, etc., ou de la gestion de crise, et dans le domaine de l'éducation. Dans notre domaine, on ne se concentre pas seulement sur les technologies actuelle. On essaye dans nos solutions d'imaginer comment pourrait être la technologie dans le futur et d'utiliser la technologie actuelle pour simuler en fait ces nouvelles technologies et ces nouvelles technologies ensuite pour nous permettre d'anticiper comment on pourrait résoudre des problèmes actuels d'une manière plus efficace. La réalité virtuelle, typiquement, c'est une technologie qu'on peut utiliser en soi et qui est très utile, mais nous, elle va nous permettre aussi de simuler des types d'écrans qu'on n'a pas pour le moment, comme par exemple des écrans 3D qui pourraient être utiles dans des salles de contrôle, des écrans 3D partagés, donc on n'a pas maintenant. Donc on les simule avec de la réalité virtuelle. Ouais.